Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Nuke Game et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur The Last of Us, comme je vous ai... excusez-moi les gens, en fait j'ai un... Donc je reviens dans 5 secondes. Hein. Donc, comme vous voyez, ma manette est en train de charger, j'ai mis 3 secondes, voilà. Donc, il y a un petit peu de bruit chez moi, je sais, je suis pas tout seul, attendez, voilà. Donc, on continue la vidéo. Et donc, on est sur The Last of Us, donc je fais le mode normal. J'étais là, mais en fait, j'ai fini l'histoire plusieurs fois. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire une nouvelle partie. Et j'ai testé le normal. J'ai testé le difficile. J'ai testé le facile. Non, mais ces trois-là, je les ai finis. Mais sinon, je les ai tous testés. En fait, je vous expliquais celle-là, difficile. C'est juste que les gars qui doivent vous tuer sont plus meilleurs, on va dire. Sinon, normal, c'est que vous êtes plus fort et eux sont plus nuls. Ça, c'est tu y mets une balle, il meurt. Sinon, survivant, ça commence à se corser. Déjà, t'as moins de balles, t'as moins de ressources, tu perds plus vite de la vie et les autres sont super bons. En réaliste, tu vois même pas combien t'as de balles parce que en normal, tu vois en bas à droite ta vie, le nombre de balles que t'as, ton crafting et tout. Et voilà, mais en réaliste, tu vois rien. Et en plus, c'est comme dans la vraie vie. Ils te mettent une balle, mais t'es mort, tu vois. Donc non, on n'est pas trop chaud pour ça, mais on va tester le survivant. Et donc, nouvelle donnée de jeu. Let's go, the shit, man. Donc sinon, pendant que ça a fait la petite cinématique comme ça, ce que je vais vous dire, c'est que la vidéo que vous allez voir là, j'étais pas, je crois on est le 10, ouais, on est le 10. Elle était supposée sortir le 9, mais il y a eu des malentendus et même une vidéo de Rocket League devait sortir le 9. Mais ces deux vidéos, je vais les sortir aujourd'hui, donc je sors celle-là aujourd'hui. Les vidéos de Last of Us vont durer à peu près 30 minutes, 30 à 40 minutes. Et sinon, les vidéos de Rocket League, je fais 2-3 matchs, donc 15 minutes à peu près. Sinon, voilà ce que j'ai à vous dire. Hein. Bon, je vous laisse sur la cinématique. Tommy, écoute-moi, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Ouais, on en reparle demain matin. 3 secondes, il est supposé ne pas y avoir. Oh là là, oh, je décroche mon micro. T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... Quoi? C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves.
Oh, j'ai toujours kiffé cette cinématique. Autant de fois que j'ai joué le jeu. Ça fait, je crois, là, à peu près 14 ans. Ouais, 14. Je crois bien. Bonne nuit, trésor. J'espère que cette cinématique vous a plu. Ok, donc là c'est nous qu'on va jouer, ben, c'est nous qui jouons. Donc on est la fille et on va voilà quoi, c'est on est mignonne quoi. Bon, on va regarder les appels dans le téléphone. On met le téléphone. Donc on peut jouer au ballon ou pas? Oui, on peut. Allez, attendez. Ouais, c'est la cam, c'est de la merde. Mais voilà, je suis pas habitué. Ah, je suis habitué. Qu'est-ce que je raconte? Vas-y, attendez. On va l'ouvrir. Je vais vous lire en anglais et en français après. Non, laisse tomber. Il n'y a pas genre un truc. Attends, bon, on va essayer de comprendre, tu vois. Attends. Dear Dad, let's see. You're never around. You have the music into you. Ok, je suis. Ce que je comprends, c'est que. Bon. Cher papa, laisse-moi. Tu es le meilleur. Tu as la musique en toi. Ok. Puis là, elle dit je t'aime et tout. Tu es le meilleur. Voilà quoi. Une lettre d'amour pour son papa. Rien de plus banal. Pour l'instant. Attends, on peut pas jouer encore au foot. Attends. Oui, j'en peux. Attends, je vais ouvrir la porte. Et je vais continuer à jouer. Ah non, c'est s'ouvrir de l'autre côté, je vois. Papa? On va aller dans toutes les pièces. Pour l'instant, ça fait pas flipper, hein, mais vous allez voir. Pff. Laisse tomber après, comment ce sera chaud. Ok, c'est plate. Et elle est stylée, leur salle de bain, je la kiffe, wesh. Papa. On peut pas courir, ça m'énerve. Donc là, bien sûr, on y va parce qu'il y a de la lumière. Ça c'était chaud. Papa? Papa? What? Ah ouais, à un moment, je vais pas vous spoiler, mais... Voilà quoi, on voit toutes les flics et tout. On est en train de flipper bien comme il faut. C'est le téléphone à son père. Ok, après, moi je sais pas, je vais par là. Voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un est venu? Quelqu'un devait passer? N'approche pas des portes. Touche pas ici. Moi je suis une thug. Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est
What? Je le savais, c'est pour ça que tu vois, je me suis collé là. Parce que Jimmy c'était son voisin là. Enfin je crois. Tommy, c'est son frère. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin ? Faut dire ça. Merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas bien. Niqué. On a L2 pour zoomer quoi. Donc, oubliez pas, je l'ai mis en survivant. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie ? Ça va, Hamdoulah, et toi, ça va ? J'essaie de bien vous montrer les décors du jeu. Ils ont dit le nombre de morts ? Sûrement un paquet. La famille est là pour le visiteur comme ça. Tu veux commencer à arriver ? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste un peu sud. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Je parle pas pour vous laisser entendre. Donc là. What the hell, man? La victime bolos. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien.
Donc là, let's go, faut pas se faire manger par les purées de zombies, sa mère. What the fuck, mais cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Mais what the fuck? On est pas là. Donc pour ceux qui savent pas, c'est lui là, je vais foncer sur lui, Tommy, parce qu'il y a trop de gens. C'est lui là qui est bien vénère, tu vois, qui regarde sur les côtés là devant nous, en haut de notre tête. Là, il va passer sur les côtés. On a dépassé, c'est bon. Attends, ah merde, merde, mais what the fuck? Vite, Tommy. Parce que, ouais, hein, je fais ça parce que je connais déjà. Yeah, mais ta mère, toi, mais ta mère, dégomme-le. Voilà, vite, 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 vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le time. What the fuck, wesh. On y est presque. Il y a encore là-dessous, regardez. What? Mais lâche-nous, lâche-nous. Non, 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 mais sérieux. C'est sérieux ça, je vais reprendre. Parce que je regarde tout le temps derrière moi. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. Je veux suivre dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, oui, oncle Tommy. On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non. Pitié. Donc voilà, si vous avez bien vu, sa fille est morte. Et donc on continue la vidéo. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que les tests de vaccination avaient échoué.
Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans le... Cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oh bah ça c'est 20 ans plus tard, donc on continue avec Joël. Je sais pas si vous avez entendu son nom, mais c'est Joël, donc ouais, on j'arrive. Remarque les qualités. On voit bien qu'il est plus vieux. Donc si vous avez bien compris dans le truc là, c'est qu'en fait il y a des quarantaines, il y a plein d'attaques, il y a un nouveau groupe qui s'appelle Lucioles, qui sont hors de la ville, c'est... Il y a trop de trucs. Des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Oui. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre gamme, est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups. Écoute, tu en veux. Donne-moi ça. Et alors ces connards, ils sont toujours en vie? C'est marrant. Tu sais qui c'était, au moins? Bon, ah oui, juste pour info, cette fille, c'est pas sa femme, mais plutôt son amie. C'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. De plus, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore combien de temps. Allez, bah, je suis prêt. Ok. Oh, ça va. Je sais pas si mon micro était en train de marcher, mais là je suis sûr qu'il est en train de marcher. Donc je vais juste vous dire quelque chose. Cette fille, c'est pas sa femme, mais c'est son ami, ok? Le poste de face est ouvert. Donc let's go. Là, il n'y a plus de méchants. Là, en fait, ils ont sécurisé la zone et tout. Ils ont fait plusieurs choses. Juste ouais, voilà. Donc, supposément, on aurait notre vie en bas à droite et nos balles. Et là, on l'a pas du tout, ok. Je vous rappelle qu'on est en survie. Et donc, là, attends, je vais juste vous montrer un truc. Il m'a victime bolos. Si je le refais une deuxième fois, il va juste me tuer quoi. Attends, ce que la prochaine fois je te perfore la cervelle. T'as compris? On dirait qu'il y a toujours de nouveaux. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Je sais pas comment courir, mais en fait je sais, mais genre je suis trop habitué à GTA, donc j'appuie sur X et genre je me rends compte que voilà quoi. Checké, hein, c'est moi qui est en premier. Non, elle va pas me dépasser, elle va pas me dépasser la meuf, elle va pas me dépasser.
Ah bah alors c'est juste okay. Ah non, c'est juste quand on a mal. Attends, juste tester, hop là, attends, et L1, ok, donc comme ça, sprinter, j'ai oublié un petit peu. Tant qu'on voit pas notre vie, juste quand on se soigne, voilà quoi, je crois. Raffiston, ça veut dire soigne-toi. Ouais, ouais, c'est bon. Donc là, je select et je fais R2 pour l'utiliser. Attends-moi, mais grosse merde, attends-moi. Enfin, on peut même pas croire. Et en plus, c'est super réaliste parce que là où est-ce qu'on se fait tirer dessus, on a du sang et on a les bandages au bras, vous voyez. R.A.S. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, mais qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Le mec, il a fait la route pour s'arrêter ici. C'est chelou. J'aime pas ça. Il faut bien de le retrouver avant les Lucioles. Donc désolé là, parce que voilà quoi. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Comment ça va être le bordel dehors ? Comment ça passe ici ? J'aime bien les avec ça. Et j'aime bien décapiter ces bouteilles. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Ouais, c'est tout le temps moi là, le gars le plus fort au monde. Faites attention à vous là-bas. On referme même pas derrière nous. Donc, on va juste faire prendre notre matos, vous montrer quelques trucs avant de finir. Donc là, pour viser, pour recharger. Ok, donc. Oh, ta gueule, je vais te tirer dessus. On voit nos balles, mais est-ce qu'on voit notre vie ? Non mais lui... Ah ouais, lui il est chaud, je te jure, c'est pas très simple. Donc les gens, je finis, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve soit ce soir, ou je sais que je vous ai dit qu'on allait faire des vidéos tous les samedis, mais écoutez... Aujourd'hui, vu que je suis un petit peu en retard dans mes vidéos, je vous fais un bonus, je vous fais du Rocket League, du Rainbow Six Siege, et je vous fais une autre partie de ça. Mais pour l'instant, je suis pressé. Donc, on se quitte maintenant. Et sur ce, je vous dis ciao les amis, merci. Merci à tous, et bye bye.